Ok, deuxième partie du Dumbbell Wall numéro 41, second part of the D-Wall 41. Je crois que c'est un complexe de Travis Toedsel, je crois, de mémoire. So I think it's a complex of Travis Toedsel, I think. So it's the name is One Badass Dumbbell Complex. So, donc le nom, c'est un badass, pas trop comment traduire. C'est vraiment une signification particulière en anglais. Dumbbell Complex, enfin, vous comprenez ce que ça veut dire. Six sets on once on each side, donc six séries par côté. I think the real one is 5, donc je crois que le vrai c'est 5, but we are crazy, so we do 6. Mais comme nous on est un peu barré, on fait 6 séries. So, this is a complex, so it's unbroken. Donc c'est un complexe, donc c'est unbroken, c'est sans s'arrêter. So you've got 6 exercises of 6 reps, donc on va avoir 6 exercices de 6 reps, un peu comme les Javorek complex. It's a little bit like Javorek complex of the Polish conditioning for weightlifters. Donc de la condition physique pour les Polonais en haltérophilie. So, the first exercise is a snatch. So you do 6 reps and snatch. Okay, 6 times. When you have done that, 6 clean and press. Press. Okay? So you clean first, clean, stop, press. Each time you stop, clean, stop, press. Okay? 6 times. After that, you've got drop lunges. Okay, same leg, 6 times. After that, we've got rows, okay, and swings. Okay, and the last one is the goblet squat. Okay, you do your goblet squat for transition between the two arms. So I do my 6, switch arm, and go back to snatch, okay? So, you do one round is both sides. Donc un round c'est les deux côtés. Ok, so 36 movements. Donc du coup 6 fois 6, 36. 36 mouvements. By 2, par 2, 72. Donc ça fait 72. You take 1 minute 30, rest 2 minutes. Between 1 minute 30 and 2, it depends on the weight. Donc vous prenez entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos. Ça va dépendre de la charge. And you do 6 rounds, between 5 and 6 rounds, ok? Et vous faites entre 5 et 6 séries selon le niveau que vous avez, ok? So this is the one badass dumbbell complex.